Y'a tout le monde les gens, c'est GhostKiller01, donc Rage Ghost, c'est pareil de toute façon. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15. Et donc ce commentaire il sera basé sur ma Paris Games Week 2014. Donc voilà, là, je suis sûr que ça va intéresser plein de monde parce que il s'est passé vraiment beaucoup de choses pendant cette Paris Games Week. Donc tout de suite, je vous explique un peu le gameplay. Enfin déjà, ok, j'ai mis en fond, j'ai choisi de vous mettre un gameplay sur FIFA 15 que vous m'avez demandé, enfin le match contre Styler, je vous l'avais promis. Normalement on aurait dû vous faire un double commentary, mais bon, Styler est aujourd'hui actuellement à la Paris Games Week avec plusieurs membres Rage. Moi justement j'y suis allé avant et donc voilà, je vais vous faire mon petit commentary sur ma Paris Games Week, en tout cas pour vous raconter ce que j'ai fait, mais c'est vraiment passé plein de choses. Et donc avant toute chose, je voulais aussi vous dire que peut-être que dans la description je vais vous mettre un ou deux gameplay on va dire que vous pourrez utiliser pour vos vidéos, c'est-à-dire parce qu'en fait il me reste à peu près une petite dizaine de gameplay sur Ghost que je n'uploaderai jamais sur ma chaîne, en tout cas jamais en public, je ne commenterai jamais. Et donc en fait comme j'avais tellement pris d'avance que voilà, j'avais pris les meilleurs gameplay. Et donc je vais vous les mettre en non répertorié dans la description de chaque vidéo qui sortira. Chaque fois je vous en mettrai un par vidéo. En tout cas voilà, comme ça vous pourrez, il y en a beaucoup qui me demandent des gameplays pour faire un commentaire dessus et tout. Je leur dis en échange, vous disiez bien dans votre commentaire que c'est le mien, que c'est mon gameplay qui vient de ma chaîne et vous mettez ma chaîne en description, voilà. Et bien là ce sera le même principe. Donc, vous prendrez mon gameplay et vous mettrez ma chaîne en description et vous direz bien que c'est mon gameplay. Donc les gameplays que je vais vous donner, ce sera sûrement, il y aura un plus de 100 kills solo qui est super intéressant. Il y aura par contre du support, mais genre des plus de 100 kills dans des maps un peu plus dures. Il y aura en solo, il y aura un plus de 100 kills fake dans Freight, ouais, un truc comme ça. Donc voilà, donc là quand même du bon gameplay, enfin ça peut largement vous dépanner. Et donc la Paris Games Week les gars, donc voilà, je voulais vous en parler. Je vais sûrement essayer de vous superposer quelques images que j'ai prises avec Kirano et Yanta, parce que c'est d'abord, faut commencer à dire ça, que je suis allé avec deux membres de la Rage, Rage Kirano, le co-leader de la leader, je sais pas comment vous le voyez, en tout cas vous. En tout cas c'est un co-leader ou je sais pas, un gérant de la Neue Rage, et donc lui il avait des passes VIP et tout, mais il était pas là le premier jour que j'y suis allé, parce que moi j'y suis allé le mercredi et le jeudi. Donc le jeudi j'étais que accompagné de Rajanta et d'un gars de la Play Comedy Club, enfin un ex gars de la Play Comedy Club qui se nomme Corentin. Donc si vous, je sais pas si vous connaissez, en tout cas grosse dédicace à toi, ça me faisait vraiment plaisir de te revoir puisque j'y étais allé avec lui l'année dernière, puis parce qu'il m'avait fait passer à peu près dans tous les stands en priorité. Sauf que cette année les gars, tous ceux qui ont eu un pass VIP et tout comme ça, et ben ils ont moins pu accéder à certains stands que l'année dernière. Je vous explique. Déjà, l'accréditation, à quoi elle vous aurait servi pendant cette Paris Games Week. Elle vous aurait servi, par exemple, à éviter une heure de queue le matin pour rentrer dans la Paris Games Week. Ça, c'était vraiment sympa de pouvoir éviter cette queue-là, parce que je veux dire que le premier jour, j'avais pas l'accréditation de NRU Wedge et tout, et donc j'ai dû attendre une heure. Donc voilà, c'était mal organisé, en plus c'était long et tout. Et le lendemain, il avait encore plus de queue et tout, mais j'avais l'accréditation, j'ai pu passer en prioritaire devant tout le monde. Donc voilà. Alors après, de quoi je vais commencer à vous parler. Donc je vais commencer à vous parler de ma journée, du début à la fin, du jeudi au vendredi. Et vous allez voir que j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc tout d'abord, j'ai fait une heure de queue le jeudi pour arriver à la Paris Games Week. Il y avait énormément de monde, mais c'était rien comparé au jeudi. Parce que le mercredi, ça, en fait, on dirait, mais là, moins de gens qui travaillent et tout. Mais non, en fait, le premier jour d'ouverture, il y avait quand même moins de monde. C'était vraiment, vraiment beaucoup plus facile à accéder à des stands. Enfin, on attendait moins longtemps. Donc le premier jour, il avait Rajanta. Ah oui, il avait Rajevo et tout, un truc comme ça. Mais c'était un ancien de la Rage. C'est pas le Rajevo designer, je sais pas. C'est pas celui que vous connaissez le plus qui est dans Ascentia. C'était un autre. Et un pote à Yanta aussi. Donc voilà, donc avec eux, on n'avait pas forcément tous des accréditations, donc on ne pouvait pas tous accéder à certains stands, mais on a pu quand même en tester plus quelques-uns, comme The Crew, qui est franchement un super jeu, qui a un monde super grand, super ouvert et tout, c'est vraiment sympa, c'est bien fait. J'ai fait une heure d'attente ou deux heures d'attente pour faire avancer le Warfare, parce que j'avais vraiment envie de le faire. Je n'ai pas pu encore accéder à ce stand avec des accréditations et tout, on avait essayé, mais le problème c'est qu'il fallait en fait avoir un bracelet et qu'il n'y avait que certaines personnes qui étaient listées
comme Monsieur le V12, des trucs comme ça, Skyrose, voilà, des gens qui sont partenaires avec ce truc, qui ont pu y accéder. Donc voilà, je vous expliquerai aussi une petite aventure, une petite histoire qui s'est passée aussi avec ce stand et tout, qu'est-ce qui m'est arrivé. Et je vais vous expliquer ça après ensuite. Mais d'abord, je vais vous citer des choses qui me sont arrivées avant ça, dans cette journée-là. Donc nous avons testé plein d'autres stands aussi. Nous avons testé Didisland et tout. Il y a un jeu vraiment sympa, donc je l'ai pu le tester 2-3 fois parce qu'avec les passes VIP on a pu le tester. Voilà, que des stands où ils nous laissaient passer, il y en a qui n'acceptaient pas. Donc on s'est gavé sur les stands où on pouvait, et puis les stands où on pouvait pas, on avait vraiment pas envie de faire une queue énorme. Donc ensuite, quand on est arrivé, on a vu donc c'est calé au centre ECWC, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'est un centre de tournoi, en tout cas mondial, de compète, de plusieurs modes de jeu, en tout cas de plusieurs jeux. Donc nous, on est arrivé, on a regardé la finale de Counter-Strike ou un truc comme ça, ou la demi-finale, je sais plus ce que c'était. C'est vraiment impressionnant parce que moi j'étais un joueur, mon premier FPS c'était du Counter-Strike. J'étais quand même assez bon, mais bon, j'étais un gamin un peu un kikoulol comme beaucoup qui jouent à Call of. Et donc voilà, j'étais pas aussi fort qu'eux, en tout cas, enfin, j'avais pas vraiment accroché le jeu. Et donc voilà, donc on s'est décalé là, après pareil. Et pour après, ensuite on est allé manger, et puis là il avait beaucoup moins de monde que ce jeudi. Parce que le mercredi, ça veut dire que là on a attendu, on arrivait direct, ils nous donnaient directement le sandwich et tout, limite c'était déjà tout prêt. Donc on a attendu, je crois que on a attendu peut-être 30 secondes. Mais par contre c'est vraiment hyper cher, c'est vous payez votre sandwich, vous le payez peut-être, je sais pas moi, 7 euros pour un demi, enfin vous voyez le kebab en entier, et ben là, le demi kebab c'est ce que vous prenez le plus souvent, et là encore en dessous, et ben c'était à peu près ça, c'était une sorte de sandwich et tout, ça valait plus cher qu'un demi kebab, donc c'est vraiment abusé les prix à Paris Games Week, et avec des frites qui sont voilà que d'ailleurs le jeudi Tyranno il avait mangé avec moi et Yanta, et puis on lui a fait goûter les frites, et comme lui il habite en Belgique, il m'a dit ça c'est pas des frites, c'est pas possible et tout. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Il m'avait bien fait rire avec ses frites. Parce que Tyranno, faut pas lui parler de frites, on va dire, parce que sinon il va t'expliquer toute l'histoire de la frite à la Belgique, c'est voilà. donc pour finir après, bah on a fini manger et tout, on allait tester des stands et tout, un peu partout. Je pourrais pas vous dire tout ce qu'on a fait, mais on en a fait vraiment pas mal. On a rencontré aussi des youtubeurs et tout. Et voilà. Donc après. Je vais venir au centre Call of, donc j'y suis allé le soir quoi, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde, j'avais pas d'accréditation, donc j'étais vraiment obligé d'y aller le soir vers on va dire 6h, enfin avant la fermeture, parce qu'il fermait derrière nous en fait, et donc voilà, j'ai pu y aller, et en fait j'ai attendu un peu moins de temps, et à ce moment là j'étais en train de jouer, franchement je faisais des bonnes games et tout, d'ailleurs je vous donnerai après mon impression sur le jeu, enfin sur d'autres vidéos, et puis de toute façon le jeu il arrive très très bientôt. Donc j'étais en train de jouer et tout, et puis milieu de game j'ai tourné la tête, puis là j'ai aperçu Monsieur le V12 qui était en train de préparer avec son caméraman et un gars de Activision qui allait se préparer pour faire une vidéo, nous tourner une vidéo sur le stand. Et donc à ce moment là il était juste derrière moi, et en fait il me regardait jouer de temps en temps, j'ai remarqué. Et en fait à ce moment là j'ai fait une defeed, un truc comme ça, une teinte difficile, un truc qui aurait pas pu passer largement sur le code UG en top 1 et tout. J'étais vraiment refait de moi, et là je me retourne, je vois Monsieur le V12 qui est en train de me regarder. Donc ça m'a vraiment encore foutu la pression, je fais voilà, donc j'étais un peu comme ça, j'étais un peu stressé, et puis voilà, ça m'a vraiment fait plaisir et tout. J'aurais jamais imaginé que voilà qu'il m'aurait regardé et tout. Et après à la fin du stand, je l'ai croisé, enfin je lui ai parlé un peu. J'ai fait vous connaissez la New Edge et tout, ah ouais je connais et tout, bah moi je suis un membre et tout, bah il m'a dit ça se voyait. Et en tout cas bah ça m'a vraiment fait plaisir de parler juste quelques mots avec lui. Voilà, il pouvait pas prendre de photos non plus ou faire des trucs comme ça, parce que de toute façon il était pressé, et puis nous on devait dégager du stand parce que on doit pas, une fois qu'on a fini notre partie on doit vite sortir, et puis voilà, et enfin les gars qui nous pressent de sortir et tout, c'est normal. Et voilà, et en plus grâce à lui j'ai failli oublier mon sac où j'ai mes affaires, genre ma caméra et tout, j'avais failli l'oublier. Et j'avais oublié mes pieds en fait, et puis je commence à partir, et puis lui il avait hey Gun, enfin voilà, je sais pas comment il m'a appelé, tu aurais pas oublié tout ça et tout, et puis voilà, grâce à lui, et j'ai pas oublié mes affaires, d'ailleurs je le remercie vraiment pour cette fois là. Et puis voilà, donc comment ça s'est terminé ce mercredi là. Donc j'avais pas fait grand chose pour moi à part Games Week, c'était une journée, ça suffisait largement, parce que quand t'as pas d'accréditation c'est un peu chiant. Et donc voilà, donc le jeudi je suis arrivé avec des accréditations de la New Age, et donc j'étais vraiment, je passais vraiment un peu de partout.
Et donc ça m'a évité le début de la queue et tout, du tout début. Et puis en plus, ce qui m'a fait plaisir, c'est que comme on avait les accréditations et tout, on se faisait plus remarquer par des abonnés que le mercredi, même si on en a qui nous ont remarqué. Et donc voilà, avec Tyranno, surtout lui, Tyranno, il se faisait beaucoup remarquer par ses abonnés. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis moi, après, quand ils me reconnaissaient peut-être un peu moins, à part quand je leur disais « Ah ouais, je suis UA, je suis Rage God, Rage Ghost. » Et donc voilà, là, à ce moment-là, par contre, c'était direct « Ok, photo, allez, c'est parti. » Et du coup, bah, on a fait beaucoup de photos avec des abonnés. D'ailleurs, j'ai pas pu en garder. J'ai surtout gardé les photos que j'ai fait avec Tyranno et Rajanta à des stands. J'ai fait aussi une photo où vous voyez la foule à un moment, parce que à un moment, la Squeezie qui a débarqué en plein milieu d'une allée qui faisait 2 mètres. Et d'un coup, tout le monde est venu là. Et d'un coup, on s'est fait bloquer pendant au moins 10 minutes au même endroit. On savait pas ce qui se passait. Enfin, les gens, ils savaient pas ce qui se passait. En fait, moi, j'avais très bien vu que c'était Squeezie qui arrivait avec des gardes du corps et tout. Et donc voilà, c'était bloqué pendant 10 minutes. Vous imaginez même pas, dans un truc de 2 mètres où il y a des enfants qui sont en poussette et tout, qui arrivent même pas à respirer. Donc voilà, c'est vraiment n'importe quoi. C'était mal organisé en tout cas. Et donc voilà. Donc pour ce deuxième jour, donc on a pu tester encore plus de choses avec avec Tyranno. Et dont on a pas mal parlé avec des gens. On s'est fait pas mal de contacts et tout. D'ailleurs, moi, je me suis fait un contact avec Warren 4G que j'ai. Je sais pas si vous avez pu le voir. En fait, c'est celui qui donnait les petits drapeaux Vitality à la sortie du stand avancé de Warfare. Celui qui vous attendait, il vous donnait des objets à la sortie du stand. Donc, c'était lui. Si vous avez pu reconnaître Warren 4G, c'est un gars qui s'occupe de la Play Comedy Club. Donc, voilà pour la petite info. Après, donc, le deuxième jour, j'ai revu aussi Monsieur LV12 qui prenait des photos devant le stand avancé de Warfare avec ses abonnés. D'ailleurs, j'ai pu lui reparler. Il m'a reconnu puisque je l'avais vu juste avant. Il m'a dit bonjour et tout. Parce que tu sais, maintenant, avec la New Age, il me connaît un peu plus maintenant. Et donc voilà. Et on a pu tester encore plus de stands. Et puis voilà. Ah oui, dans la journée aussi, comme avec la New Age, on est en partenariat avec plusieurs entreprises, genre Burn Controller, Steels et puis d'autres encore. En tout cas, on allait devant le stand Burn Controller. On voulait essayer de choper quelques petits accessoires et tout, parce qu'on était en partenariat pour faire gagner aux abonnés sur la New Age. Et en plus, on est arrivé comme ça, on a été accueillis comme des rois. Ils nous ont donné des trucs, on avait un sac, le gars il connaissait super bien le leader Hypno. Il nous a sorti plein de trucs, des housses pour les manettes, des cordons d'alimentation, les joysticks et tout, etc. Enfin, voilà, donc comme il connaissait vraiment très bien la New Age, j'ai entré en partenariat, il nous a donné plein de choses, dont moi. J'avais amené ma manette Burn pour l'occasion. Et puis je lui ai montré et tout. Il m'a fait ok, c'est bon, je vais tout changer, tes sticks et tout. Je vais tout la refaire et tout. J'étais vraiment content, tout gratuitement. Et donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir et tout. Et donc après, on est allé au stand Steels. On a dit au gars, on est New Rage et tout. Le gars, il commençait à partir en n'importe comment. Il commence à stresser. Il fait ouais, vas-y, je vais vous ramener quelques petits accessoires et tout. Et toutes les deux secondes, il allait en rechercher un. Allez, vas-y, je vous en rajoute un de plus et tout. Et au final, on est arrivé avec au moins. On avait 7 petits trucs. Des gamers grip, un truc comme ça. C'est des trucs qui valent 10 balles, qu'une sorte de pommade et tout, qu'on applique comme une crème à ses mains, qu'on frotte et tout. Voilà. Et donc ça fait. D'ailleurs, j'ai testé. Ça coûte 10€ et tout. Et ça fait vraiment. C'est efficace pour agripper la manette, avoir une meilleure précision, un meilleur shoot et tout. Et donc voilà, il nous a donné ça, il nous en a donné 7 les gars, donc ça faisait au moins 70€, plus au moins une quinzaine de t-shirts. Et je dis pas un t-shirt style, c'est doux, ça doit valoir au minimum 5€. Voilà, il nous en a donné 15 en tout cas. Donc vous comptez, vous faites le calcul, voilà tout avec quoi on est parti. Et donc voilà. D'ailleurs, j'ai pu tester les manettes Scuf, les tenir dans les mains et tenir ma manette Burn dans les mains. Et bah voilà, je vous conseille franchement, si vous voulez pas tuner votre manette, mais vous prenez juste une manette pour la compète ou je sais pas quoi, pour que vous en sortiez mieux en tout cas, c'est mieux d'acheter une Scuf. Vous êtes bien mieux placé, vos doigts sont bien mieux placés qu'une manette Burn et tout. Donc voilà, je vous conseille ça pour faire la compète. Après, si vous voulez vraiment tuner votre manette, votre nom, vos pseudos, la couleur et tout, voilà. Donc c'est peut-être plus une Burn et tout, mais ce sera moins pratique, voilà. Après on a dû faire nos adieux à Tyranno parce qu'ils devaient rentrer chez eux. Ils avaient au moins 4 heures de route, etc. Donc voilà. Et donc moi j'étais tout seul, et puis je suis allé avec un pote IRL. On est allé, j'avais 2 accréditations New Age et on est passé un peu de partout et tout. On a fait des vidéos de malades et tout. On nous prenait vraiment comme du roi. Et à la fin, on a décidé d'aller au stand Call of, de réessayer notre chance de passer. Et puis voilà, pour la petite histoire, les gars, je suis allé au stand Call of. J'ai demandé pour passer et tout, ouais, on a une chaîne et tout, t'as pas mal d'abonnés et tout. Le gars, il se connaissait pas et tout, il voulait pas nous faire passer au début. Et puis, il allait chercher le manager France d'Activision, donc le plus haut placé d'Activision France.
qui est venu nous accueillir, il nous a parlé comme si c'était voilà, super bien et tout. Et il a dit, ouais, je connais New Age et tout, d'ailleurs, je voulais peut-être passer un partenariat avec eux et tout. Du coup, grâce à moi, ben, on va peut-être passer en partenariat avec la New Age, enfin, avec Activision. Et donc, voilà, Hypno était super content et tout. D'ailleurs, il a passé un tweet et tout comme prévu pour, avec le contact, j'ai chopé le contact et tout. Et il a réussi à prendre rendez-vous avec le gars d'Activision, donc on va peut-être être partenaire avec Activision pour la New Rage grâce à moi, donc voilà, donc au moins là je suis sûr d'avoir ma place à New Rage, je suis sûr de pas être viré au moins pendant 3-4 ans limite, je vais devenir un vieux de la rage comme Rage Freddy ou Mickey, je sais pas, voilà, moi j'aurai 20 ans, alors à des petits jeunes qui auront mon âge, enfin dans 5 ans, donc voilà, ça me fera plaisir en tout cas. Et donc, ce gars-là, super sympa et tout, il nous a fait passer. Et à ce moment-là, les gars, vous allez vous en rendre compte, les gars, vous allez pas m'y croire. J'étais avec un gars de la Vitality, un gars de l'équipe qui avait joué le matin contre la SCNK et tout. Il s'appelait, je crois que c'était Tomé, un truc comme ça. Et il était avec moi en attendant en VIP et tout. Et on a joué avec un gars de la Vitality, en tout cas, avant cette Warfare. Il était dans mon équipe. En fait, on était en fait en VIP contre les gens qui attendaient pendant 3 heures. Et donc, voilà, il nous disait, bon, vous mettez soit à droite de truc, soit à gauche. Et en gros, c'était soit on se mettait avec le gars de la Vitality, soit on se mettait ailleurs contre le gars. Bon, ma réflexion a été de même pas une seconde. Je me suis mis avec le gars de la Vitality. Et on a explosé, vraiment, tout le monde. J'ai limite fait la DNA. Je suis mort pas loin en 7, 15, 20, je sais plus. Donc voilà, j'ai failli la mettre direct et tout. C'était vraiment un gros carnage. C'était, vous voyez, comme les petits noobs qui débarquent à un Call of qui tirent en l'air, limite, voilà. C'était vraiment trop bien. Et voilà, vous allez dire, oh gosse, le gros enfoiré et tout. Il a joué avec un gars de la Vitality. Il a regardé et tout. Et ouais, les gars, bah, c'est pas que je me rappelle et tout. C'est, franchement, ça m'a fait. C'était une Paris Games Week de malade, voilà. Je me suis vraiment éclaté à y aller, voilà. Et donc, voilà, bah, ma petite histoire va se finir maintenant, comme à Paris Games Week. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai raconté ma Paris Games Week, en tout cas, parce que ça va faire 17 minutes que j'ai commenté. Je voulais juste vous dire un truc aussi, c'est que ma dernière vidéo de Call of Duty, elle sort demain. Ce sera un double commentaire avec Sergent Alex, normalement, bah, s'il peut pas, je le ferai solo le commentaire. Ce sera, je vous dis direct, le gameplay, ça pourra vous donner envie, j'espère que vous allez regarder la vidéo, parce que il y aura déjà des vidéos d'Avancée Warfare et tout qui sortiront demain, mais j'espère que vous allez regarder encore ma dernière vidéo sur Ghost, le commentaire, ce sera sur Ghost, l'année passée sur Ghost, Ghost c'est fini en tout cas, mes ressentis sur le jeu après une année et tout, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment je suis monté, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez liker, partager, commenter pour essayer de m'augmenter dans mon top 10 et tout, et puis pour m'aider et tout à avancer sur YouTube. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, où j'en sais rien où vous en êtes. En tout cas, les gars, c'était Ghost Killer. Allez, peace!